Yo tout le monde, alors bienvenue sur GTA Grand Theft Auto 5 Online. Donc édité par Rockstar bien sûr, donc je pense que tout le monde le sait que le jeu appartient à Rockstar. Bref, donc là je viens de démarrer le multijoueur et je sais pas ce que je fous de Recalling, mais ce n'est pas grave. Alors, je suis où? Pourquoi je suis paumé ici? Alors, oui, je me casse la gueule. Bon, je vais m'amuser comme ça vite fait sur Grand Chef Auto Online, comme ça, parce que j'ai envie en même temps faire une vidéo là-dessus pour moi YouTube, pour ma chaîne YouTube. C'est, pour moi, ça fait toujours plaisir de faire une vidéo, même si ma qualité de vidéo, elle est complètement moisie. Je marche. Moi, Leak Euro, va trouver une route. Là, ce que je filme sur l'appareil, c'est en résolution 4K, hein, je vous le cache pas. J'appelle le mécano. Hey, mécano, rabou ma Phoenix. Donc, petite astuce, quand vous appelez le mécano, vous faites stick analogique, vous appuyez sur le stick analogique droite et automatiquement, la voiture apparaît proche de vous. Quelle magie, mon dieu. J'ai gagné 2000$ de récompense, ça ne rigole pas. Quoi? T'as pas qu'à me foncer dedans, même si c'est moi qui t'as foncé dedans. Oui, je sais, je suis débile. Et alors? On a le droit d'être débile dans ce monde. J'ai grimpé les montagnes, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien ça. C'est bien fait pour toi. T'as pas qu'à me foncer dedans. En plus, je perds mon capot. Mon capot préféré. Je l'ai perdu. Monde cruel. Aïe. Oh oui, là, c'est un drift. Là, c'est un bon drift. Là, c'est un bon drift. Les gens, ils doivent se dire, mais cet homme, est-il peut-être fou? Ou alors, il est comme ça tous les jours? Bien sûr que non. Je ne suis pas comme ça tous les jours. Bon. Ma vidéo n'aura pas de coupé. Je vous demande pardon. Allez, hop. Meilleur moyen pour sommer les policiers. Les méchants policiers. Alors, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Vous le pensez quoi? C'est de la merde! Très bien, ok, bah je vais le changer. Alors. Mettre ça, ça y va très bien. Tout va bien, voilà. Là, je peux dire que vous pouvez dire que vous aimez ça. Hein, dites-le moi que vous aimez. Ah ouais, j'adore, il est trop sexy. Merci. Alors, je vais prendre ma Ruffiane. Avec mon bonhomme tellement bien habillé avec une Ruffiane. C'est la classe. Oula. Il faut que je reprends mon contrôle de la moto de GTA 5. Et... je suis mort par des bottes. Je suis en train d'attaquer une caisse. Je sais, je tire comme un gland, même si c'est une vis auto. Allez. Je me combatte comme Taken. Je suis un ninja. Bip bip. Bip bip. Bip bip. Un gros paquet de drogue. Que 250 RP à un minigun. C'est tout. En plus j'ai que 200 balles, je vais pas faire long feu avec. Eh oui, je contrôle un clown. Un clown qui fait genre... bip bip. Voilà. Parce que c'est un clown. C'est pas du tout marrant, mais c'est ça. Un magasin de luxe. Je sais pas passer par-dessus une moto. Je suis handicapé. Il suffit de faire le tour et le tour est joué. Bon, je vais changer mon personnage et puis pendant que je vais couper cette vidéo, je vais mettre en mode pédobir devant cette demoiselle. Là déjà, je suis mort de rire. Je suis habillé en ultra sexy. Je suis tellement beau. Bonjour madame. Que voulez-vous voir mon gros bâton entre mes jambes?
Je suis tellement beau comme ça. Madame? Attends une seconde, madame. Mais vous êtes vieille! Oh, c'est dégueulasse! Oh. Et c'est tout, je me casse. Allez, sauve-nous, sauf qui peut! La pauvre dame, j'ai littéralement explosé le crâne à coups de sulfateuse à 100 balles. Yo, je suis tellement sexy en rose et en vert fluorescent. Ouais, je fade dans les airs, c'est complètement cheaté. Franchement, des fois, les gars... Enfin, les gars, pourquoi je dis les gars? Parce que personne, il n'y a personne qui lit ma vidéo. Sinon, comment dire, quoi, je ne filme pas, mais j'assure. Des fois je fais des trucs de ouf, des fois je fais des fails mais absurdes à dégueuler. Et dès que je filme, je fais pas grand chose, c'est pas terrible, c'est vide, c'est moche, c'est horrible. Ah, le jour que j'aurai un HDPVR, je supprimerai toutes mes anciennes vidéos et puis je mettrai toutes mes vidéos par-dessus en HD. J'ai fait un petit coup de klaxon hein, pour éviter que le mec me tire dessus. Je vais faire demi-tour, je vais me mettre gros bof activé. Ah bah très bien. Bon maintenant je fais comment avec ma bombe dans les mains? J'ai pas envie de la jeter et ni mourir. Je vais te tuer, mon ami. Mais non, j'ai pas envie que ce soit un bot qui me tue. Je suis Arnold Schwarzenegger. Et je ne sais pas du tout le dire, parce que je suis bête. J'essaie de faire la voix d'Arnold Schwarzenegger, mais je crois que je n'y arrive pas trop. Bon, ça se trouve, je l'obtiens déjà. Hein. Quand je parle comme ça, c'est un connard. Voilà, ça. J'ai à peu près la voix d'Arnold Schwarzenegger. En fait, j'ai pas besoin de forcer, en fait. Hein. Je crois. Pas besoin de forcer. Et en plus, il flotte. Il pleut, je suis à moitié à poil. Pourquoi je retourne ici? Je suis complètement stupide. Là, je laisse mon grand frère jouer parce que je sais que mon grand frère il est ultra chanceux, n'est-ce pas Nicolas? Tu peux. Il faut aller ultra chanceux sur le Grand Chef Auto 5. Il fait des figures improbables, tout à fait normales. Voilà, un truc improbable. Tu t'es pris un poteau. Improbable. Ah là-bas. Donc je sais pas si mon micro est là assez sensible pour qu'on t'entende ici. Je sais pas trop. Allô. Oui, allô. On est sur le Grand Chef Auto 5, habillé comme un clown. Récupère ma moto. Puis moi, à cause d'un bouton sur mon cou, je me suis fait égorger. Re YouTube. Donc alors, où est-ce qu'il est passé mon micro? Ah ah, il est là mon micro. Oui, est-ce que mon micro, c'est un vieux casque de téléphone pourri. Et pourtant, il a une bonne qualité de son, mon casque. C'est juste l'enregistrement de ma console Nintendo DS, hein, bien sûr, je filme avec ça, je le dis toujours. Et puis, j'ai le seul moyen de filmer avec ça. Bref, sinon le son qui capture ma voix dessus, le micro il est très bien. C'est un tout petit micro tout simple, mais il est très bien mon micro. Mais c'est juste le problème, c'est l'enregistrement de ma console DS qui me ressort une qualité de voix complètement différente que le Xbox Live quand je parle avec des potes, parce que normalement, ma voix elle est une si bonne qualité avec mon Turtle Match. Bref, voilà, c'est tout dit. Donc, vous avez vu, j'ai repris ma moto, et au même endroit, j'avais quitté, j'ai eu le temps de manger et revenir ici à Grand Chef Auto 5, et je ne suis pas mort. D'habitude, à chaque fois que je fais une pause à un endroit au hasard dans Grand Chef Auto 5, je vais manger, je reviens, je suis dans une place différente. Forcément il y a quelqu'un qui est venu me buter ou détruire ma moto et puis me pisser dessus et puis cramer ma baraque en même temps. Bref, voilà, moi ça veut dire ça. Et puis c'est chiant que les gens, même quand tu bouges pas, les mecs ils arrivent mais comme un gros lâche, ils te butent mais pour rien quoi. C'est non. Faut mesdames messieurs du Xbox Live, soyez calmes s'il vous plaît quand vous jouez à Grand Chef Auto 5. Bon, je sais que je suis dans une partie publique, hein, il y a des hauts et des bas et puis on a droit à faire ce qu'on veut, mais voilà. Yo, grand saut cheaté. Aïe. Yo, traversage. Rien à foutre. Quoi? 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 Quoi?
qu'est-ce que tu veux, hein? Quoi? T'as pas me donner des coups de moto, enfin des coups de... Des coups de moteur, des coups de pression comme GTA 4, c'était le cas, hein, GTA 4. On pouvait faire des boum, 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 freiner à chaque fois et puis t'as le piéton et il paniquait, quoi. Non, je rigole, dans GTA 4, les piétons c'est des légumes, ils foutent rien. Ouais, comme des racailles dans les rues, sans les casques, sans le casque dans la tête. Mais comment j'ai... Mais comment j'ai fait ça? Je vous assure, les mecs, c'est du pur hasard. Oui. Bon, des fois, je fais des petits sauts comme ça parce que j'ai un petit peu de talent. Mais des fois, je fais des trucs de malade par pure chance, quoi. J'arrive en mode... Rien à foutre. Yo, oui. Oh, trop fort. Ne faites pas ça chez vous, les jeunes gens. C'est interdit. Si vous faites ça chez vous, vous êtes mort. C'est vrai que le marchand d'hot-dog, il est pas là. Il y a juste ce mec paumé, il est là, mais il est où le marchand d'hot-dog? Bah il est pas là, mon gros, il est pas là. Et tiens, mange mon poing à la place de hot-dog, tiens. Je suis tout doux. Et dès que je joue à Grand Chef Auto, je suis en rien à foutre. J'en ai rien à foutre de la loi. J'ai droit de traiter, de violer, etc, etc. Et pourquoi c'est tout jaune comme ça sur mon écran là? Qu'est-ce qui se passe? Ah, je préfère. Pourquoi pas un plongeon magnifique? Votez 1, sauter dans l'eau en plongeant la tête tout bas, et votez 2 quand je tombe comme un revieux raplapla tout moche dans l'eau, parce que des fois ça m'arrive. Avec ce soleil magnifique, avec ces pots de peinture juste devant l'écran. Dès que le soleil toucherait l'atmosphère, je me jette par-dessus beurre. Et c'est trop long, j'y vais tout de suite. Donc c'était numéro 1, je saute dans l'eau à la tête la première. Félicitations. Mais qu'est-ce que c'est beau sous l'eau? C'est beau, c'est bon, mais regardez-moi ça. C'est rare que les jeux, ça ait de la qualité comme ça. Dans Crysis, c'était pas le cas, des trucs comme ça, enfin je sais pas. Dans Far Cry, c'est pas du tout le cas, faut pas rêver. Dans Assassin's Creed 4 Black Flag, j'ai jamais joué à ce jeu encore. Et pourtant j'adore Assassin's Creed, la série d'Assassin's Creed. Mais bon, mais bref, dans l'eau, mais regardez-moi ça quoi, comment c'est bien fait. Je vole. Eh mais j'ai l'impression de voler. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'apnée, mais au maximum, si vous voyez ça. Je m'en fous, sur chaque vidéo, je m'en fous qu'il n'y ait que 2 personnes qui regardent ma vidéo, au moins j'ai des vues. Voilà, j'ai récupéré ma moto. Oh oh. Police en face. Vite. Je me mets en mode délai de fuite. Yo, raté. Je suis Pinobir. Je suis là pour violer du monde. Dans des tirs au coin comme ça, dans le noir. Hein? Je vois des gens. Hey madame, tu veux une sodomisation surprise? Je suis Pinobir. Non. Qu'est-ce qui se... Ah putain. Tous les clochards de sous le pont se sont vengés avec des flingues sur moi. Toi Hugo, tu veux pas jouer à GTA 5 pour voir si t'es chanceux? Allez, c'est vrai, tu préfères jouer à ton Nostal, ton jeu de gamin. Nostal, ouais, c'est super happy. Bon, c'est violence, c'est GTA. Violence, les prostituées. Un peu de bien extrême. Oh, les policiers, il y en a partout, des policiers. Les policiers, ils font pouf, 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 apparition comme ça, et puis, normal, quoi. Ils spawnent comme ça devant toi et puis hop, direct, ils te voient, après tu tapes 2 étoiles, et après les flics essaient de t'arrêter, ils te suivent, te suivent, te suivent, après 3 étoiles, après t'as les SWAT qui arrivent, ils te one-shot en balle en pleine tête dès qu'ils passent à côté d'eux. Et je fais gogol, je tourne par là, je sais pas ce que je fais, je fais quoi? C'est un saut ça? Oh oui, c'est un saut! Et je vais m'écraser. J'ai cru que j'allais exploser. Je cours, je cours, et je cours, oh, oh, oh. Une prime de 5 000 $ est offerte pour Sonic Reloi Dead 17. Waouh! Quel gamatag magnifique, je l'applaudis, je l'applaudis! Pourquoi c'est ouvert?
La qualité a changé là, qu'est-ce qui se passe? Bon, cette fois-ci, je vais habiller en classe. Allez, je vais mettre ça, blouson de cuir, non, non. Veste de survêtement, c'est moche. T-shirt, non, c'est moche avec le costume. Chemise, ah, un beau chemise. Je mets un beau chemise bleu. Là, je coupe la vidéo et puis je remets mon personnage avec ses costumes habituels. Et puis je change de personnage et je vous montrer la petite fille que vous aurez aimée. Me revoilà et tada, voici ma jolie petite princesse. Tiens, ça vous dit pas quelque chose? On dirait la même baraque de la précédente vidéo de mon bonhomme que je tenais, enfin mon personnage de mon image, avec la nana. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Et pourtant, quand je vais sortir de cette maison, étrangement, étrangement, hop là, je ne suis pas du tout dans le même environnement. Pas du tout. Et violence sur le champ. Mange-moi ça. Et oulala, excusez-moi, j'ai un petit frisson. Violence. Mes poings, c'est des balles. C'est des barres en ferraille, mes poings. Mais regarde lui là. Mais qu'est-ce qu'il veut lui? Il veut un coup de pied de bûche, c'est ça. Tiens, prends ça. Voilà, mange ma force surhumaine. Les flics... Ouf, j'ai cru que les flics étaient en face, hein. En fait c'est les ambulances. Flics en face. Ouh, t'as un boucle... Eh oh. Eh oh. Je t'ai à peine touché, je suis qu'une nana. Mais pourquoi tu frappes les femmes? C'est pas bien de frapper des femmes. Non mais... Et t'as cru que je ne savais pas se battre, hein? T'as cru que je ne savais pas me battre, hein? Hein? T'as cru que je ne savais pas me battre? T'as cru que j'étais une petite fillette de merde? Mais toi! Mousquet! Je t'ai pas loupé, là! Toi avec ton 4x4 extrême! Ma vidéo va déjà s'épuiser, putain. Putain de merde! Et voilà, la vidéo est censurée. Il est censuré parce qu'il y a eu des insultes comme « Va niquer ta mère !» Eh oui, ça fait éloigner les gosses à cause de ça. Bon. Faut que je monte mon chien avant la fin du temps. C'est quasiment impossible, c'est quasiment impossible. Pourquoi je dis deux fois le mot... Pourquoi des fois je dis deux fois la même chose?